Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction à l'élo, vraiment, botangangon à titre, attaque au candidat présidentiel, bazako s'est lancé, naba discours, naba ngoya pré-campagne. Nous entrons dans une phase oyo na ebite soki biso ba congolais toza mayele ou bien neni na lingai kaka na raise attention na bino donc na attirer attention na bino na makambu oyo ba oyo tokopona baza ko satake na bango moko oyo za congolais te oyo zali oza candidat ba étranger oyo zali soki nani wana oh utawapi oh ba diplôme oh bani, est-ce que c'est ça vraiment le discours que les Congolais veulent entendre? Na ba grand point d'actualité baza ko proposer solution mon côté na ngambo opposition pe na ngambo ya gouvernement na ba o bazali donc ezo pe sanga pas sina mawa ya komona ke biso ba Congolais tozana na ba futilité. Tozana nou na ba futilité, ba dirijan na biso to ba ko dirije biso lobi. Makambo baza ko loba, pona ko gagne candidature na bango. Excusez-moi, je vais chercher un peu mes lunettes, parce que je trouve que... makambo ango zo kende bien te bandeko. Makambo ango zo kende bien te, parce que ba Congolais aujourd'hui, moi, je pense qu'ils ont besoin de solutions. Bon, proposer bango, ba programme nabino, ba solution oyo, et kotin di kambo kanabiso, na nouvelle direction, na direction asika. Mais ma kambo e komi ya kofingana, ya koloba, yo zali boye, yo sali boye, yo za outa ki wapi, yo sala ki boye. Est-ce que c'est ça vraiment qui nous intéresse, vraiment, nous, les Congolais? Bande konangai, toza la moi et qui na moi mayele ya ko distinguer qui est le bon et qui ne le pas jusque là na ebite soki bazwa ko zela biso ba banda ko sa biso siko na ba tango ba ozala na ba campagne na bango ba banda ko sa na biso ba ko sala nini ba ko sala nini ba eloko nini ango ba ko ya ko résoudre toza na problème ya guerre na est. Aucune d'entre eux ne propose une solution. Attends mon tout mon côté. Nazako yo agaga. Oh yo. Oh candidat ba étranger. Oh yo. Osala kiboye. Yo zali boye. Non. Nous avons besoin des solutions pour l'instant. Pour na kopé sa direction mboka na biso ko kende na ndenge nini. Mboka oyo ezali na ba ezana ba kokoso ebele o il faut to résoudre pour to se retrouver lobi. Congolais ko se retrouver na mafinga wana. Parce que quelqu'un est abotama qui a été en wana ko pona ese. Likambo a de père et de mère souki. Donc, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème du Congo? Nous avons besoin pour l'instant. Batouana ba explicité biso makambo nini ango. Eza ko kende mala mouté. Na ba proposition o ya ba solution o ba za ko memela. Pona ko bongi sambo kanabiso. Moi, je suis très sidéré lorsque j'attends le président de la République, aza kolobela biloko moko pe futilité, aza na ba problème à ko résoudre. Il faut yebisa ba Congolais, bota la makambo to bandaki, ndenge toko suki sa yango, soki nga nazali, nazolinga deuxième mandat, voici ce que moi je veux faire, na yebite, na ndenge o, na moment o, to zali soki, bango ba kanisi keno, ba kolobela ango, na tango à campagne. Moi, je ne pense pas. C'est le moment de délucider le problème. Toye ba problème ezali wapi na ndenge yango to ko résoudre yango. Je ne sais pas si je suis en train d'anticiper dans leur discours, mais déjà na modèle tozo kende e komi ya ko finga na ya ko popularité wana tozo lukango na mafinga. Moi je pense que nous le peuple congolais biso ba bao bangamba toza na besoin de toye ba solution oyo ko zwa. Soki ba pesio bo konzi pendant 5 ans o ekolanda. Oko sala nini makambo ango oza etokomi wapi place nini ango yoko ba okozwela et puis même mboka na place nini. C'est ça le discours qui doit convaincre les Congolais, pas ma finga, moi je ne pense pas. Eza ko pesa nga passe ya komputala que biso pe ba Congolais toza ko applaudir ba tunyoso kabo ya Pascal Obia yo zali Congolais te ah yo zali boye ba papa na yo zali nani. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse vraiment?
Bolobe la biso ba solution ni nango boko appliquer. Chemin ni nango boko tala po na kosala ba bomwe mamboka na place oyo il faut ezala. Boko silisa bitumba wana ya este na ndenge nini? Modele nini? Tomoni lelo yo okura ya manda pase. Diplomasi selon bino keza kofuta. Makamu nyoso bino ngai moi je pense que bino boza ko konduira ngo na ndenge ya diplomasi ya koloba keno. Ataf gere zali. To coopérer, to ça la diplomatie pour que guerre est là. C'est une bonne chose, moi je n'en disconviens pas. Mais likambu oyo ozobi na peuple otali lobite peuple oyo bino botali mutuana asala kiboye o azali soki chaku soki azali nini et tous les mots ma finga ezako bima na ba candidat nyoso. Moi je n'exclus personne. Je n'exclus personne. Je ne vois pas un candidat qui nous a défini effectivement jusque là. Azo définir biso mboka o botala makambu ndenge za koskende botala solution na ngo ndenge kozala biso soki bopesi biso bokonzi toko bandela awa toko zwa oyo mtu msusu atika ki toko memango na place tel. Nous avons vu le président inaugurer les projets qui ont été commencés par na mandature passée. Et à ce que tient mon actif na eza mabete, mais actif wana et rénovation ni nango. Et ko sala ke noto peso sous confiance que obanda siko makamu na yo na ndenge yo kuta kimboka, il va te falloir 10 ans, 15 ans, mais planification na yo ezali boye. Na kokoso na zwa ki yango boye. Moi je pense que ce sont les explications qui comptent beaucoup plus na ba discours na bino olia kobanda ko s'attaquer na ba personnalité. Oh yo zali candidat, yo zali ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis mes frères. Ba congolais toye ba ketoza ba ennemi te. Mboka o eza mboka ba tunyo sotu toza ko luka ba solution na ba problème o toza ko traverser na mboka oyo. Et là, moi, je fustige tout ce beau monde-là. Moi, qui commence à s'injurier. Oh, boye, oh, non, oh, azali congolais, oh, azali boye. Quelles sont les solutions que ces gens nous apportent pour que Tobi Manamu, d'Akokoso, oh, Tozanakati? N'a pas problème crucial. C'est ça que les Congolais veulent entendre. Paix kozonga ndengenini na est. Insécurité kosila ndengenini. Comment est-ce que nous allons réorganiser l'État? Ce sont là les points qui est le je pense que biso ba congolais faut exiger que ba candidat na biso ba yebisa biso pour que to pesa bango confiance ba diriger mboka na biso. Ce n'est pas parce que quelqu'un est supporté par les juifs ou quoi que ce soit né à commis diable. Il n'y a pas de diable en République démocratique du Congo. Le diable c'est l'oppresseur. L'oppresseur toko bunda na ndenge nini so ki biso nyoso tout oza ensemble te. Bandeko, eza pas si pe mawa, ozota la, obi me kandida, oh, aza koloba, oh, non, gana kosala bino, likasye kozala, Allemagne d'Afrique, Congo kozala. Ça, ce sont des promesses qui sont creuses. Eza ko s'attaquete, aza ko s'attaquete, na ba structure amboka, oh, eza ko fonctionne malamute. Bandeko, le problème de la République démocratique du Congo, c'est l'ordre, le travail. Toko banda kosala musala nene toko bandela wapi. Je suis en mboka na biso ezala ki malamu te depuis soki 18 ans soki. Comment est-ce que je vais réorganiser le pays pour le remettre na kati ya ordre? Moi je pense que nous sommes en train de taper à côté avec nos candidats. Ba candidat moi je ne sais pas si vous pouvez bon reprendre ba discours na bino au lieu de s'attaquer. Au lieu de dire que non ba ennemi ba kosangisa ba tout. Voilà ce qu'ils vont faire. Dites ce qui est réel. L'Obama kambo oyo eza mabe oyo eza kosala ke mboka eko maboye solution na ngo ezali boye soki bo vote ngai soki bo pesi nga deuxième mandat moi je ferai ils ne font que faire des émotions donc baza kolinga ba manipuler émotion à peuple congolais poto bosana le problème le plus important o toza ko faire face na ngo awa na République démocratique du Congo et c'est ça qui me décourage. Ngai naza koyebisa bino ba Congolais bandeko na ngai. Ba tunyoso o balingi ko dirije mboka oyo. Ba yebisa biso soki baza na maîtrise ya problème o toza na ngo. Ce sont là les structures qui vont ba discours wana o eko il faut convaincre biso. Que non, bota la guerre o ebanda ki boye voici comment est-ce que nous allons nous y prendre pour que to si sa ngo. Diplomatie est-ce que et ça lui pendant 5 ans oyo.
pendant 3 ans qu'on a fait de multiples voyages, qu'est-ce qu'a payé la diplomatie, et paya kinini? Pourquoi ça n'a pas marché? Moi, je crois que le problème, il y a président actuel, il faut à se justifier dans Makambu Oyo. Et ça l'a maquitté. Pourquoi il y a la corruption? Pourquoi la justice est zakokenemala mouté? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Et que voici comment je viens. Je viens avec une autre idée à Kolobakeno. Bon, voici comment est-ce que moi je vais m'y prendre. Voici comment j'nakosala makambu. Pour convaincre biso que non, ce topé sur deuxième mandat ekosala kasir na tango dirijaki na ndenge pe ozako kobandela makambu ango. Mais boye, bozako koma kubo mandika ka makambu ba promesse, ça il n'y a pas une grande différence na ce qui s'est passé en 2017-2018. Nous connaissons tous les problèmes du Congo. C'est le problème de l'ordre, c'est le problème de l'autorité de l'État. L'État n'a pas besoin de fonctionner malamouté. Alors, bah, discours n'a bino. Ce que ça, en dehors, zongi sa ordre na République démocratique du Congo, n'a banzi que biso ba Congolais faut sanctionner en haut. Que ça soit dans l'opposition ou bien la président actuel. Total, est-ce qu'à convaincre biso, aïe bisa biso, pourquoi corruption za kokende? Et comment est-ce qu'il va s'y prendre pour que corruption en a, avec la petite expérience dans 5 ans au Azali Nango, nouveau visage y a gouvernance n'est na deuxième mandat kozala nini. Et moi je pense que ce qui président Félix, laissez-moi citer le nom, il se focalise sur ça, il aura vraiment de l'avantage na batumsu sukolia kobanda kolobate yo tangate oh yo salaboete oba diplôme na ezama. Nous n'avons pas besoin de ces discours là. Président Félix, moi je te conseille de te concentrer sur la justification de ta gestion. Ata mandaba, ata batuba zolo bakeno, elo komoko ezalite, concentre-toi de nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ozalaki na majorité te, qu'est-ce qui a fait que à ce que ozwa majorité en plein mandat? Qu'est-ce qui t'a empêché? Biloko wana nga na banzi que Félix il faut se justifier nango. Olia banda kofunda batu msusu. Oh non, bango bazali boye, oh armé na biso eza infiltré. Explique-toi pourquoi tu n'as pas été capable à restructurer l'armée. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été capable de faire des réformes pour rétablir cette autorité de l'État que nous tous nous voulons? Parce que eloko ya makasi awa nentozo nazako ebisabino. Eloko ya makasi ezali awa eza likambo ko rétablir autorité à l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Expliquez aux gens pourquoi les M23 sont venus. Pourquoi est-ce que on n'a pas pu réorganiser cette armée-là pour qu'elle se batte, pour qu'elle soit une armée républicaine. Bandeko, Eza passi, week-end mobimba, oh, totali, batoba deposa ki ba candidature na bango, tous ces beaux candidats-là, bazako ya koloba, oh non, yo zalibo, yo tangate, yo salabo, ça n'a pas d'importance, tozan a besoin à eloko anate. Tozan a besoin, boye bisabiso, effectivement, voici les solutions que nous vous apportons. Voici place tozoa ki mboka. So ki bino pe bo moni ke mboka kenda ki mabe, où sont les causes? Cause eloko e outi wapi pour que toko manaisika o leloke mboka e komi presque na implosion. Est-ce que ba élection o eko reflete nini? Et moi, je vous ai dit, bandeko, n'espérons rien dans ces élections ici. Congolais n'ont soi foyer ba ke ba élection ko résoudre problème autorité à l'état té. Ba élection o e ko résoudre à té loko mon côté. So ki Félix akéi. Ba to ba yé, ba ko ya na modèle nini? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, nga na kozala na majorité té nga na postulé parce que naza célèbre, mais voici le plan que moi je me dis, même sans la majorité, si je suis président de la République, voilà comment est-ce que je vais m'y prendre pour réorganiser que l'État est zonga tout ya ordre. Ordre ango toko bandela wapi? Et c'est là, moi je vous dis tous les jours que na contact pro live awa to propose akaba solution. Et la solution c'est quoi, bande konangai? Je vais développer ça un peu beaucoup plus na bakati ya ba émission nangai ya contact pro live traditionnel bozangate. L'ordre et l'autorité de l'État et le fonctionnement de l'État, c'est ça le problème de notre République démocratique du Congo. Toko sala yango ezala musala. Musala ezate ke non ba pesio musala ba compagnie et non, cela ne relèvera pas notre pays. Ce qui va relever notre pays, c'est cette autorité de l'État, même communauté internationale ezakota la biso. Comment vous allez organiser votre pays afin que
Babatunyon surtout justice à la travail comme Kosalem. Le travail dont nous parlons ici, c'est le travail de l'État pour que cet État-là puisse être ezala ko fonctionner na ba norme normale. Nandenge musale salemaka. Le travail, ce n'est pas dans le particulier. Excusez-moi, ça c'est ma perception. À tête au créer ba compagnie belé et kozala n'intérêt à nani. Si l'État ne fonctionne pas bien, si l'État ne joue pas cette rôle là. Mais l'État n'a pas besoin de jouer un rôle, moko ya régulateur, ya batoba. L'État congolais ne nous gère pas. Et nous avions fait appel en disant, la solution devra à ce que nous puissions aller dans les états de lieu de chaque province, les états de lieu de chaque territoire où le peuple congolais va d'abord se réconcilier avec lui-même en prenant conscience à Koloba. Non, ce qui a la corruption, Zali, voici ce qui a été fait. C'est comme cela que nous appelons à ce que tokendena nous na refondation à l'État, Zali, te que tochambarde biloko. Non, il faut que nous puissions chercher la solution, ce qui est la cohésion nationale. Et puis to bande la kokende na structure à l'État makamuni nango, comment est-ce que nous allons mettre cet État dans l'ordre pour que l'État ait géré biso, pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'enrichissent illicitement, pour qu'il n'y ait pas des gens qui continuent à voler, pour qu'il n'y ait pas une certaine classe à bateau baza ko réclamer que yo mboka bako eza mboka na bango. C'est ça, moi je pense que eloko il faut ça la nango attention ba congolais to la muka, s'il vous plaît. Jugeons ces hommes-là dans leur discours et dans leur plan, il y a qu'à relever le défi de développement. Défi à développement, Zali, t'es que, oh non, t'as construit la route, t'es que t'as la développer. Oh, t'as ton hôtel, mokobo, t'es que t'as la développer. Est-ce que, ma kamboa koloba, que non, nani, gratuité enseignement, gratuité à ma maternité, et à moi-même, t'es que t'as développé mboka? Je ne pense pas. Aucun pays ne s'est développé sur la gratuité. Le pays se développe par le travail. Et nous nous sommes dit, il faudrait que les Congolais puissent prendre conscience au niveau de la base que nous sommes organisés et que nous devons absolument se remettre au travail pour que tout organise mboka na biso. C'est dès lors que nous pourrons appeler les gens pour venir nous aider. Donc, si nous sommes déjà organisés, tokoyeba ke mutu oya ye ko sti entreprise awa mbongo ko uta na entreprise e ko kota na kesa à l'État. Je ne comprends pas que comment est-ce que nous n'arrivons pas, nous les Congolais, à comprendre l'okwana. Le grand problème du Congo, c'est l'organisation. Le grand problème du Congo, c'est l'ordre qui doit être établi. Le grand problème du Congo, c'est la sécurité des hommes et des femmes. Le grand problème du Congo, c'est le fonctionnement de l'État congolais. L'État congolais fonctionne comment pour rassurer que non, et kokiko sala, bab, et kokiko développe mboka ngomo. C'est nous les Congolais. C'est ainsi que bamsusu, ba kaporo msusu ya régime actuel. Ils sont expectatifs, ils se disent que non, erreur est Zali, mais ils ne peuvent pas parce que c'est comme si l'homme qui est là, il les tient. Na kingo, boko siportenga kaka, boko siportenga malgré tous ces erreurs qui ont été commises et qu'il n'a pas la solution pour relever ces erreurs-là. Ezamawa, ba Congolais to la muka, s'il vous plaît. Il est grand temps, c'est que nous puissions penser à la reconstruction de notre pays. Et la reconstruction de notre pays va commencer par la conscience que le peuple congolais en général va prendre en se disant, il est grand temps que nous puissions prendre conscience que eloko nyonso, il y a l'État et ça le makamala mouté. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut remettre de l'ordre. Et moi, je pense que c'est ça que la communauté internationale est en train d'entendre chez nous. Alors, je vais m'arrêter ici, Bandeko, parce que réactions à la ka toujours et le komoko amuku, c'est pour na ko éveiller attention na bino. Na pesi bino kaka moi chemin na binanga on a proposé ka awa la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que nous allons l'organiser? Et là, je l'explique dans nos émissions chaque jour. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour que bon, tant que Bokoyo Kalisus Tutozo expliquer comment est-ce que chemin y a rétrocession du pouvoir et Kozalandengenine pour que finalement l'État commence encore à être dans les villages, dans les territoires, pour que Batunoso Toye Bako se contrôler, Toye Bako Congolais Zanani. Qui est Congolais et qui ne l'est pas? C'est ça la question.
et la, le soubassement de ça, et bote la kabiso ba makambo ebele, et bote la kabiso ba, 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 problème ebele, parce que les Congolais ne se connaissent pas. Alors, on se revoit pratiquement dans un nouveau numéro. En tout cas, j'espère bien que vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous allez vous abonner, et surtout partager. Bo tika ta moi ba like souko lingaki, bo partager, bo s'abonner, souko ki boza ba abonner te, et puis, à ce moment-là, vous serez au courant. Ya ndenge biso tozo kanisa ke mboka e okyo bima na babiloko o toza nango na kati lelo. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bon début de semaine. Au revoir.